Face à la crise environnementale et à l'épuisement des ressources, il semblerait logique que l'État soutienne financièrement les activités qui respectent l'environnement. Les énergies renouvelables, les transports en commun, et taxe les secteurs polluants pour les inciter à évoluer. Ça semblerait logique. Mais la réalité aujourd'hui, et malgré le déficit budgétaire, c'est que l'État subventionne les industries polluantes. Ces secteurs qui émettent des gaz à effet de serre, réchauffent la planète et menacent nos écosystèmes sont aidés financièrement pour se développer et continuent à polluer. Aujourd'hui, l'État subventionne les raffineries pétrolières en les dispensant de taxes sur l'énergie. Côté transport, on favorise les moyens les plus polluants au détriment des alternatives. Le secteur de l'aviation est totalement exonéré de taxes sur le carburant. Plus de 3 milliards sont dépensés chaque année pour le soutenir. Et c'est pareil pour le transport routier, à qui l'État rembourse une partie de cette taxe. Au total, toutes ces subventions et exonérations représentent chaque année plusieurs milliards d'euros. C'est le monde à l'envers. On donne de l'argent aux pollueurs et on néglige les secteurs d'avenir. Il est temps de reprendre les choses dans le bon sens. Les associations françaises de protection de l'environnement lancent un appel. Que le gouvernement supprime tous les avantages fiscaux accordés aux industries et activités polluantes. Mieux, qu'il impulse les transformations économiques, sociales et professionnelles, aujourd'hui incontournables. C'est terminé, on ne paye plus les pollueurs. Avec cet argent, on pourrait réduire les dettes publiques du pays et financer le développement d'un nouveau modèle écologique. Taxer les pollueurs et encourager les secteurs durables, c'est ça le bon sens. Voilà, ben merci beaucoup Stéphane. Au Canada.
Canada, chaque personne consomme en moyenne 5 portions comme celle-ci de viande rouge ou de volaille par semaine pour un total d'environ 40 kilos par année. La production d'un kilo de bœuf exige 10 kilos de céréales, ce qui fait que le tiers des terres agricoles de la planète servent à nourrir le bétail plutôt que les hommes. La production de viande est aussi beaucoup plus polluante que la production de céréales. Chaque portion de 150 grammes de viande rouge que vous mangez a nécessité plus de 500 litres d'eau et généré 80 fois plus de gaz à effet de serre que l'équivalent produit en céréales. Et c'est sans compter les milliers de tonnes de fumier produits par tous ces animaux d'élevage. Il ne s'agit pas de devenir végétarien, mais réduire sa consommation de viande, ne serait-ce que d'un repas par semaine, permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d'économiser plusieurs litres d'eau potable chaque année. Bref, c'est un petit changement dans votre assiette, mais un bon geste pour la planète. Pardon. Est-ce que vous vous rendez compte que le diesel provoquerait 42 000 décès prématurés en France chaque année? Alors évidemment, ça touche principalement les gens qui ont des problèmes respiratoires, les nouveau-nés, les personnes très âgées. Les personnes qui vivent en milieu pollué pendant 30, 40 ou 50 ans verraient leur vie diminuer de durée de 2 ans à plusieurs mois. Donc, c'est pour ça qu'avec ma femme, on a décidé d'aller vivre à la campagne. Eh, c'est quand même autre chose, non? Hein, chérie? Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, chérie, à midi? Des poireaux à la sauce béchamel. Non, à la sauce Becquerel. Ah bon, non, je connais pas ça. J'occuperai un jour à l'Académie le fauteuil de leur idole. La Société des Eaux de Marseille s'équipe à titre expérimental de 4 véhicules 100% électriques. Ce projet ambitieux, qui pourrait permettre d'équiper le parc de 30 à 40% de véhicules propres dans les prochaines années, s'insère dans les actions pour l'environnement pilotées par la direction sociétale de la SEM. Patrick Pasquet, responsable d'une flotte de 350 véhicules d'exploitation, argumente. L'arrivée à la Société des Eaux de Marseille des premiers véhicules électriques s'inscrit dans le cadre de la politique de développement durable de l'entreprise pour répondre à des impératifs essentiellement environnementaux. Des réponses excellentes par rapport à ces enjeux, à savoir zéro émission de gaz à effet de serre, une indépendance quasiment totale par rapport à l'énergie fossile, parce qu'en France, la production électrique, c'est moins de 11% produite par des centrales thermiques à flamme, donc tout l'intérêt d'avoir des véhicules électriques. Et également, c'est une bonne réponse sur l'annulation complète des émissions polluantes telles que le monoxyde de carbone, dioxyde d'azote, suie, hydrocarbures, qui sont émises régulièrement par des véhicules thermiques. Et il faut savoir quand même aussi que ces 40 000 décès par an qui sont causés justement par cette pollution essentiellement urbaine. La SEM s'équipe de véhicules électriques. Il est important de rappeler aussi quelques réponses qui ont été apportées par la Société des Eaux de Marseille depuis 2006, où il y a eu l'adoption des biocarburants, l'expérimentation d'un véhicule hybride, et en 2011, l'année dernière, où nous avons adopté des scooters stop and go équipés de cette technologie appelée également stop and start.